Les 7h dans tout studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Bonjour Haïti. Bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui, vendredi 17 d'août, là, pour nous capoter pour tout élément d'information. Et déjà, nous avons passé un très très bon week-end sous Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité, un membre de la Commission Justice et Sécurité dans le Sénat République là, rencontré jeudi 16 d'août la haut état-major police nationale d'Haïti. Discussion de chita sur circulation routière et situation générale en sécurité pays d'Haïti. Dans le cadre d'assises criminelles qui a démarré lundi 23 juillet 2018, le tribunal en première instance Port-au-Prince a traité 52 dossiers, fait 16 condamnations et puis libéré 32 personnes d'après précision du royen tribunal, maître Bernard Saint-Ville. Rassemblement démocrate national progressiste RDNP a un nouveau secrétaire général dans la tête. Éric Jean-Baptiste Eli a hier jeudi 16 d'août là dans le cadre de la convention participe qui déroulé dans la commune Petionville. Il y a une petite pause, pas déplacé, n'a pas de talent. Merci pour fidélité et attention à qui dit son nouvelle cela. Nous retournons pour développement information. Et je nous dis tout dans grand titre, membre commission justice et sécurité dans le Sénat République là, rencontre jeudi 16 d'août la haut état-major police nationale d'Haïti. Discussion de chita sur circulation routière et situation générale sécurité pays. Membre commission exprimé préoccupation yo sur quantité accident qu'a fait sur route nationale yo. Dans ce sens, yo souhaite gen disposition qui prend bon côté la police pour capable diminuer cas accident yo. Président commission, sénateur Jean-Renel Senatus, confirmé responsable la police dit yo pral tourner à question inspection machine yo, yon façon pour capable éviter qu'un accident yo répété. On nous suivre extrait la déclaration. Gagné information qui fait nous en un mois que 15 jours, soit du 29 juin au 5 août, nous avons enregistré en Haïti près de 61 personnes qui mourent alors que blessés ou non plus que 200. Des machines qui crasent, des monde qui handicapé. Nous constatons chaque week-end sur route nationale nous grand pile accident. C'est ça que fait. En un premier temps, nous avons écrit président, nous avons écrit directeur général de la police là. Ils ont lettre pour demander lui avec tout le dans des CPR pour gagner plus de présence policière sur route capable de faire prévention. Mais en un second temps, nous avons décidé faire une séance de travail avec lui pour nous connaître qui ça problème yo yé qui fait pigo criminel la jodia li relé accident de la circulation. Responsable policier prend engagement que d'ici mois de septembre et mois d'octobre cap vin là a gagné réponse cap porter la question inspection des véhicules. Pour les citoyens du département de l'Ouest, nous avons des informations sur le travail qu'a fait pour toujours pacifier l'Ouest. Nous avons fait le travail du directeur général de la DDO, il dit non, DCPJ, DCPA, il dit non, il a fait. Nous avons un engagement qui prend toujours. L'Ouest a deux, Croix des Bouquets, Gantier, Tomazo, côté gang qui a trois têtes là, continue à frapper, même rivé à démonter porte. En fait, pour y aller voler les petits passeports, Kaimoun, nous dit ça à responsable policier et nous pensons d'ici peu à des réponses qu'il doit porter pour nous capables de vivre en paix. Ce bon parle, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, fait qu'on est 10 directions police routière DCPR en travaillant sur un plan pour capable limiter la quantité d'accidents cap répété sur route nationale. Numéro 1, la police là dit circulation en transversale gagné plusieurs secteurs qui impliquaient la donne tant au ministère travaux publics, transport à communication et puis mairie.
Dans ce sens, la police a travaillé avec ensemble entité sa yo pour capable jwenn yon formule pour capable identifier moto et puis inspecter machine yo. En nous souvenir extrême, la déclaration de Nico Fedler confident à Moïse Oubich. Sous question sécurité publique, question sécurité routière et sécurité dans le département de l'Ouest ou l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, là-dedans, et c'est qui mécanisme de contrôle de la police lui-même, il était sous pied pour être capable de contrôler le chauffeur qui a boué et qui a conduit sur le plan, sur le nez qui a fait vitesse, sur la question de contravention, sur la question d'inspection véhicule et sur la question de permis qui a délivré autour. Donc, nous avons répondu à toute interrogation, ça. Mais nous avons fait valoir tout ensemble d'obstacles que nous-mêmes nous rencontrons dans le cadre de travail. Non? Et c'est fort de obstacles ça, que la commission a entendu à ce que nous gagnions l'autre exercice encore pour nous faire avec d'autres acteurs qui sont intéressés par la question. Tant que les travaux publics, les municipalités, les SMGRS, etc. Nous avons parlé de questions de sécurité sur le territoire là. Et nous admettons et reconnaître que dernière semaine, le sud ainsi que le plateau central, et contrairement à l'agence statistique qui est convenue, montre que il y a quelques soucis. Et nous sommes déjà dans la dernière rencontre de commandement que nous avons avec les directeurs départementaux concernés. Nous avons un ensemble de dispositions qui prend depuis Port-au-Prince avec le renforcement de nos éléments sur le terrain pour nous commander capable d'adresser préoccupation ça. Nous te dit l'étonnant grand titre doyen tribunal pour une espèce à Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville présenté bilan déroulement assise criminelle avec aux 60 assistants jury qui était démarré lundi 23 juillet 2018 là. D'après maître Bernard Saint-Ville, dans le cadre assise criminelle ça yo, tribunal là arrivé traiter 52 dossiers, il fait 16 condamnations et puis procéder à libération 32 individus. Reportage, c'est quoi pas qui a arrivé bien chez vous. Pour assise criminelle, assistant jury qui était déroulé lundi 23 juillet pour bout 13 août 2018 là, tribunal criminel a traité 21 dossiers côté 9 individus jouent condamnation yo pour infraction, vol, viol et association malfaiteur et puis 10 autres libérés. Dans cas d'assise criminelle avec jury, tribunal a traité 31 dossiers, 7 condamnations pour assassinat, homicide, enlèvement et séquestration, 22 libérations, 6 suspensions d'audience. C'est bilan définitif assise criminelle d'après doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville. Nous avons gagné un nombre de 31 dossiers criminels avec assistant du jury. Nous avons fait 11 jours d'audience criminelle avec assistant du jury. Nous avons passé 31 dossiers. Nous avons gagné un nombre de 33 accusés qui étaient jugés pendant la session criminelle avec assistant du jury. Nous avons 7 cas de condamnation. Nous avons 22 cas d'acquittement. Nous avons un cas de tribunal à requalifier Fayo. Nous avons une qualification définitive là, fait à l'audience. Il y a deux cas côté absence d'accusé, c'est-à-dire l'oreille et mon nom fait extraction par journée. Et puis il y a un cas de renvoi, il y a un cas côté tribunal là, qui était renvoyé à faire. En tout, nous avons 31 dossiers criminels avec jury qui passaient pendant la session. Nous avons 33 accusés que ordonnance de voir devant le tribunal criminel avec assistant du jury qui jugeait. Avec dit pour nous, c'est une grande satisfaction. Côté tout dossier, nous évacuons criminel avec jury. Parallèlement, des concessions criminelles sans jury tout. Pour période, ça nous passé 21 dossiers criminels sans assistant du jury. Pour un nombre de 29 accusés. Elle dit pendant que fait criminel avec jury, nous avons fait criminel sans jury. Pendant que nous passé 21 dossiers, il y a 29 accusés qui jugés. Nous avons 9 cas de condamnation dans la session criminelle avec jury. Nous avons 10 cas. L'acquittement, les ordres d'acquittement, ça veut dire que les gens ne savent pas le faire devant le tribunal criminel. Ils ont dit qu'il a acquitté deux accusations et ont donné libération. Il y a deux cas de déport. On a une déportation volontaire. Le juge là, pour convenance personnelle, est capable de déporter deux connaissances à faire
Il y a un cas côté juge là ordonné dépôt des pièces, ça veut dire pas prendre décision audience tenante, lui ordonné dépôt des pièces, nous avons 6 cas de suspension d'audience. Maître Bernard Saint-Ville dit satisfait pour déroulement assises criminelles. De l'autre côté, doyen tribunal a expliqué, malgré assises criminelles fini, le tribunal a toujours organisé audience criminelle dans l'idée pour finir avec quelques dossiers. Une grande satisfaction parce que l'année ça a noté fait un cours et c'est non choix intelligent du marché. Nous avons une audience avec 3 chambres. Parce que nous avons dit dans l'Assemblée des juges là, étant donné que l'année dernière pas de audience, même là, nous avons mis 2 audiences criminelles avec jury par jour, nous n'avons pas privé évacuer tout cas. Nous avons proposé juge, est-ce que nous avons fait 3 audiences? Tout le juge dit nous avons embarqué, nous avons pas avancé avec nous. Nous faisons l'ambition pari qui gagne. Et son moment, espace à nous avons profité pour nous féliciter tout le juge tribunal de première instance. Représentant Pacayo, greffier huissier, petit personnel là, membre jury, la presse tout nous était couvert assise là chaque jour, t'es toujours là. Nous par contre faisons avec 3 chambres avec jury, nous faisons les années à tout, nous réussissons. Assise criminelle Sayo qui était réalisée dans la juridiction Port-au-Prince, rentre dans le cadre GFOR, autorité, la justice a fait pour réduire la détention préventive prolongée dans diverses sortes carcérales. Mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, mine juste, dans tête collée avec le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, lancé jeudi 16 août 2018, là, projet sensibilisation et mobilisation communautaire sur violence sexuelle qui chita sous question sexe moun. Projet ça qui a réalisé pendant 4 mois visé aider réduire violence communautaire. Renforcer état de droit fait promotion droit mona d'après Milos Monavich qui s'est représentant Minijus qui tape intervenu dans cadre cérémonie Silan. En nous suivant extrait la déclaration de Nico Stéphanie Pierre à Kevin Pierre. Dans ce cadre-là, on a voulu encourager les communautés mais aussi les institutions nationales à pouvoir plus facilement prendre en main et voir comment gérer ces questions qui sont devenues dans certaines zones épidémiques. Je cite Madame la Ministre qui nous en a parlé donc dans cette période-là. Et une de ces activités qu'on a pu entreprendre, c'est ce projet avec Governance Group. On espère atteindre les 190 000 personnes qui devraient être les bénéficiaires, enfin, ou les récepteurs de cette sensibilisation. On pense que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet qui a besoin d'être, d'avoir sa place dans le discours au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. J'espère que cette intervention au niveau de cette task force pourra donner, au fait, cette interface qui est vraiment nécessaire dans le cadre de l'appui aux victimes et surtout aussi dans le cadre du traitement de tous ces cas dans le sens le plus large. Donc, notamment, l'idée qu'on soit qu'on a les acteurs au niveau local, donc de la justice, de la sécurité et d'autres médicales, etc., etc. Et on espère que dans la foulée de lancement de tous ces projets de réduction de violences communautaires qui sont en train de se passer, on aura l'opportunité de soulever tous ces agendas-là, mais aussi au niveau national, puisque ça fait la partie malheureuse de la vie de beaucoup de femmes haïtiennes. Soubo Palé, directrice générale de la gouvernance en groupe, Gabriela Yacinthe, dit lui reconnaître que c'est un projet qui est difficile. Mais elle fait qu'on ait un travail pour capable craser toute barrière qui empêchait femmes actives qui victimes de jouer dans la justice. Gabriel Yacinthe fait qu'on ait l'étonne pour entreprendre des démarches, accompagnement psychologique pour mesdames. Toujours dans le micro, Stéphanie Charles à Kevin Pierre. Constatant qu'en Haïti, les filles et femmes violées ne reçoivent pas toujours l'appui nécessaire pour engager des procédures judiciaires. Mais quelles procédures s'éternisent quand les victimes tiennent debout pour obtenir leur réparation? Et qu'elles constituent à subir de nouveaux traumatismes?
Mon Dieu, je pense que l'église est temps pour nous changer la qualité, mode la vie que les femmes haïtiennes ont mené, qualité violence qui a fait sur nous. Je pense que l'église est temps, pas seulement pour nous baisser toi, mais pour nous permettre que le processus la fête. Le processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour permettre nous d'aller jusqu'à ce que nous joignent réparation et jusqu'à ce que nous accompagnent psychologiquement. Des mesures rapides et effectives doivent être prises à l'encontre des auteurs de ces crimes. Cette lutte doit être menée à toutes les étapes. Lutte contre le déni et l'impunité des agresseurs, contre la loi du silence des victimes et surtout contre la mauvaise qualité de service offert aux victimes. Nous comprendre, travail la papiti, changer mentalité, changer coutume, changer habitude en dedans société, c'est pas un bagage qui t'a fait du jour au lendemain. Habitude bien produit, n'est pas coupé facile. C'est pour ça, projet ça, en dedans projet ça, nous voulons écraser toute barrière qui empêche femmes, actifies qui victimes joignent justice. Barrière, depuis nous allons chercher soin la santé. Passé, nous mandé fait constat, nous déposé plainte, juste arrivé dans punition avec dédommagement. Ministre condition femme à droit femme démissionnaire Marie-Unida Innocent salue projet SILA d'après lui cap aider diminuer cas viol sous femme actifie par Moïse. Ministre démissionnaire Tenanico Stéphanie Charles à Kevipia. C'est toujours avec une grande satisfaction et un énorme plaisir que je prends part aux initiatives en Haïti visant à réduire toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. L'une des formes d'inégalité les plus oppressives dans le monde est une violation des droits fondamentaux de l'être humain. Point n'est besoin de vous dire donc mon sentiment ce matin de participer au lancement de ce projet qui tend à réduire et combattre les violences sexuelles et basées sur le genre en sensibilisant et en renforçant les communautés. Si ce projet de gouvernance groupe avec le support de la MINUJUST et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veut adresser principalement les violences sexuelles et basées sur le genre, cela contribuera cependant à impacter sur toutes les formes de violence que peuvent subir les membres des communautés ciblées. J'applaudis donc et assure du plein support du ministère que je dirige toute l'équipe qui travaillera à la formation, la sensibilisation des communautés sur le task force qui assurera le suivi judiciaire dans les différents départements et qui renforcera les capacités des membres des organisations communautaires. C'est un projet ambitieux, mais tellement utile. C'est une lourde tâche, mais tellement nécessaire. Car la problématique de la violence basée sur le genre est une urgence qu'il faut continuer à adresser pour faire reculer le nombre de cas de viol, d'attouchement sexuel, d'harcèlement, d'inceste. Et nous te disons dans grand titre, responsable Rassemblement démocrate socio-progressiste, organisé jeudi 16 d'août 2018, la 9e convention parti politique SILA qui était déroulée dans Pétionville. Activité s'est déroulée en présence du président d'honneur RDNP en Milan, Hippolyte Maniga, et membre parti qui sorti dans diverses régions du pays d'Haïti. Dans l'occasion, directoire parti a organisé élection pour capable renouveler membre conseil exécutif qui mettait Eric Jean-Baptiste comme nouveau secrétaire général RDNP. On nous suivre reportage avec Falanda Delphine et puis Eric Pierre.
Même partie qui sortit dans plusieurs zones sur le territoire national là était présent pour participer dans la 9e convention RDNPA. Il y a un rendez-vous, même partie a prétendu depuis quelques temps pour organiser élection pour remplacer directoire partie. Candidat Éric Jean-Baptiste remportait l'élection avec 224 voix contre candidat Louis-Charles Jean-Audouin qui réunit 42 voix. Nouveau secrétaire général RDNPA, Éric Jean-Baptiste, promet le travail avec chaque grand membre parti pour moderniser. Dans ce sens, il promet l'application de chaque parti dans le respect idéologique et doctrine Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Nous prenons le travail avec chaque grand membre RDNP. Pas oublier que l'objectif premier de chaque grand parti politique, c'est la prise du pouvoir. Ça fait longtemps depuis que RDNP pas représenté en tout échelon. Désormais, bagarre a changé. C'est dans la base que nous avons sorti pour nous monter en haut. C'est la marche vers le pouvoir que nous lançons jeudi à la. Convention si la coïncide avec date anniversaire naissance. Politique là, ce nouveau secrétaire général à RDNP, Éric Jean-Baptiste, fait qu'on est li d'accord avec la nomination Jean-Henri Seyan comme premier ministre PIA, parce que d'après lui, c'est une personnalité politique qui a réglé le problème PIA. Éric Jean-Baptiste a souhaité premier ministre nommé un bon feuille de route qui prendra utile dans le développement du pays. Le RDNP a déjà dit que le pays n'a pas de problème premier ministre, mais cependant, c'est un bon bagage lorsque vous nommez une personnalité politique qui peut régler les questions politiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, fait politique en Haïti, c'est synonyme moun ki volé, moun ki corrupteur, moun ki nan mauvais transaction. Mais faut que nous changer donne ça, faut que désormais moun k'ap fait politique yo, faut que c'est des moun qui au service de nation. Faut que c'est des moun qui capable prendre comme modèle. Information après poursuivre secteur populaire haïtien pour achat ancien président René Prévala renouvelé jeudi 16 août 2018 là engagement pour continuer accompagner chef l'état pays Jovenel Moïse dans bataille là menée pour un changement en dans pays d'Haïti. Porte-parole groupe sociopolitique, c'est là, professeur Wilgo Suprema, encouragé dans ce sens parlementaire, ratifié choix, déclaration politique générale pour le ministre nommé, maître Jean-Henri Seyan. Secteur populaire haïtien proche président Préval là, appuyé maître Jean-Henri Seyan comme premier ministre pays. Seyan pour un politicien, un modéré, un rassemblé, un nèg qui sorti dans la matrice peuple là et qui compte souffrance peuple là. N'a dit parlementaire pays a pas qu'à kembe encore. Mais c'est un politicien, un ancien candidat à la présidence, il était fait tout tout pays à les connaît. Situation, mais qui situation que le peuple a pris. Il est capable de porter une amélioration. Nous ne prenons pas un médecin comme saint, mais nous dit que le médecin est capable de gagner quelques solutions que le capable de poser. Et c'est la journal la Rivena Boutli avec nous de Babaye permettre que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Membre de la commission justice et la sécurité dans le Sénat République rencontre jeudi 16 d'août la haut état-major police nationale d'Haïti. Discussion de chita sur circulation routière et la situation générale la sécurité pays. Dans le cadre d'assises criminelles qui a démarré lundi 23 juillet passé, le tribunal en première instance à Port-au-Prince a traité 52 dossiers, fait 16 condamnations et puis libéré 32 individus d'après précision droit et tribunal SILA, M. Bernard Saint-Ville.
Et puis, Rassemblement démocrate national progressiste, RDNP, il y a un nouveau secrétaire général à notre tête, c'est Éric Jean-Baptiste, qui est élu à jeudi 16 d'août, dans le cadre de la convention parti politique, qui est déroulée dans la commune Petroville. C'est pour ça que nous sommes contents pour le journal La Matéria. Nous sommes seulement pour nous souhaiter passer un très 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 bon week-end sur la télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.